adultes et enfants, et pourquoi pas les adultes ensemble? Doit-on obligatoirement jouer avec ses enfants? Mais que veut dire jouer et de quelle situation de jeu parle-t-on? Qu'apporte finalement le jeu? Donc je vais essayer de répondre un peu à toutes ces questions en recentrant à chaque fois le jeu au sein de la famille. Le film a montré des jeux, ben voilà, a présenté différents types de jeux. Alors pour préparer le jeu, moi j'ai regardé dans le dictionnaire Larousse la définition du mot jeu. Elle a déjà été présentée. Activité non imposée en laquelle on s'adonne pour se divertir et en tirer un plaisir. C'est vrai que cette notion de plaisir est extrêmement importante. La réalité, bien sûr, est un peu plus complexe car c'est une activité effectivement non imposée, plutôt spontanée, qui peut s'exercer seule ou à plusieurs. Alors, pour aborder un peu cette notion de jeu, puis pour essayer de comprendre comment le jeu naît, je souhaitais vous donner quelques clés de l'évolution de jeu en le resituant chaque fois, si possible, dans le cadre familial. Alors, le jeu ou activité démarre très tôt. Ainsi, à la naissance, le jeu apparaît plutôt comme une activité essentielle à l'enfant. Ça, c'est vrai. L'enfant joue d'abord avec son corps, avec sa voix, puis jusqu'à environ 18 mois, et en fonction de ses nouvelles capacités psychomotrices, comme ramper, marcher, attraper, lancer, il va explorer, manipuler, découvrir son environnement et affirmer ses propres capacités. Alors dans mon métier, on appelle ça la phase sensorimotrice, c'est à la fois sensoriel et moteur. Le rôle des parents durant cette période est donc de proposer à l'enfant un cadre sécurisant et bienveillant et de pouvoir avoir des moments de vraie disponibilité et d'échange avec leur enfant, leur bébé notamment. Alors du coup, là, vous êtes tous ici ce soir. Bon, j'alerte les parents ici, ou peut-être grands-parents, sait-on jamais, présents sur cette notion de vraie disponibilité qui n'a pas été du tout montrée dans le film, car nos préoccupations interfèrent très souvent sans que l'on se rende vraiment compte avec notre qualité d'attention. Alors il ne s'agit pas d'être des parents parfaits, c'est pas humain, mais de savoir préserver des moments de vrai échange, surtout à cette période de la vie de nos enfants, mais même aussi plus tard. Être ce que savent si bien faire nos enfants, être dans le moment présent, être avec eux dans l'échange. Et je pense que la grande force de l'enfant, c'est d'être dans le moment présent. Ils sont dans leur vérité. En tant qu'adulte, on est à bord, on pense, on est tout le temps dans la projection de ce qu'on va faire. Mais l'enfance, la force de l'enfance, c'est ce moment présent, c'est cette qualité de moment présent. Donc c'est vrai qu'en tant que parent, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir cette qualité d'attention à certains moments. On ne peut pas toujours. On est forcément, quand on rentre chez soi, multitâche, le four, j'imagine, les enfants en bas âge. Moi, mes enfants ont grandi, mais on est tiraillé par plein de choses. Mais avec nos enfants, attention, quand ils sont tout petits. D'ailleurs, c'est ce que je dis, nos enfants, quand même, tout petits, nous y aident bien. Devant les premiers sourires de ces enfants qui savent à merveille nous interpeller. Il faut savoir que les bébés, ils ne demandent que ça, la communication. Qui n'a pas joué avec plaisir au premier jeu de cache-cache qui ravissent les tout-petits, mais aussi les grands plus tard? Alors le de très relationnel et sensoriel, c'est-à-dire découverte de son propre corps lors des tout premiers mois de la vie, les activités de l'enfance s'enrichissent. Commence à 9 mois, ça on ne l'a pas trop vu non plus, les jeux de vider remplir, les jeux dits de cause à effet, les jeux dits de répétition. Ces jeux vont permettre à l'enfant de comprendre vers un an comment fonctionnent différents objets, que le ballon peut rouler, que la voiture roule. Vers 2 ans, les jeux, on va dire que c'est un peu l'apogée des jeux dits moteurs, courir, grimper, expérimenter. Il faut toutefois savoir que le mouvement est essentiel à l'enfant dans sa construction et que la conscience de soi naît dans cette interaction constante entre le mouvement, la pensée, qui ne prend sens que sous le regard de l'autre et de sa famille. Je vais vous donner... Alors, pour les parents, c'est vraiment le moment d'aménager des espaces, de penser à la sécurité des enfants et de prendre patience, car les initiatives des enfants vers 2 ans et demi, c'est fréquent. C'est une phase particulière. Alors, je voulais vous dire à quel point cette interaction est quelque chose d'important. Moi, je reçois beaucoup d'enfants au cabinet. Et là, comme ça, je me disais quel exemple je peux donner. Je donne pas, bien sûr, je ne donne jamais de nom.
Je reçois notamment des enfants qui ont été adoptés et les parents me parlaient de leur petit bonhomme. Quand ils ont été le chercher, il avait 11 mois. Forcément, ce n'était pas en France, c'était à l'étranger. Et quand ils ont récupéré leur enfant, c'est un enfant qui était allongé dans son lit et qui était complètement ce que nous, on appelle psychomotricien, hypotonique. Et le fait d'avoir adopté leur enfant, ils m'ont dit en l'espace de 2 mois, cette interaction a permis que la vie revienne chez ces enfants, que le tonus se remette en place et cet enfant a pu se rasseoir, le regard s'est mis en place, c'est-à-dire que l'échange donne la vie, donne le sens à l'enfant de ce qu'il est. Donc c'est vraiment, même si ça paraît naturel, c'est quelque chose de fondamental et qui construit l'enfant jour après jour. Alors, à côté de ces... Et puis je voulais reparler aussi de la phase des 2 ans, qui est une phase aussi qui, c'est ce qu'on appelle, les enfants ont beaucoup expérimenté, ils commencent à maîtriser certaines activités, mais à travers cette phase, ils vont s'affirmer. C'est réellement la naissance de la pensée, c'est la naissance du je, j-e, je suis. Et puis c'est aussi, les enfants découvrent qu'ils ont un certain pouvoir. Donc c'est là où la phase du non est quelque chose d'assez compliqué, parce que l'enfant vit tous les jours une envie d'expérience et à la fois il va vivre beaucoup de frustration parce qu'on ne traverse pas la rue tout seul, parce qu'on ne met pas les doigts dans les prises électriques, etc., etc., qu'on ne jette pas on ne prend pas l'ordinateur de ses parents sans demander, etc. Moi je dis qu'à cet âge-là, les enfants passent par un petit peu, c'est comme un ciel breton. Je suis née en Bretagne, il y a du soleil, il y a le ciel gris, il y a la tempête, il y a les pleurs. C'est-à-dire que les enfants sont soumis énormément à des émotions très fortes et très contrastées toute la journée. Qui explique que c'est une période assez compliquée à passer, et pour les enfants et pour les parents. Alors, pendant cette période, donc l'enfant aussi commence à mieux organiser ses jeux et apparaissent également vers 15-18 mois les jeux premiers, les tout premiers jeux dits d'imitation. On en a parlé. On va prendre le petit. Alors, c'est ce qu'on appelle les jeux de faire comme. C'est-à-dire les enfants, c'est à cet âge-là qu'ils prennent un chiffon pour frotter, faire semblant de téléphoner. Et plus tard, c'est ce qu'on va appeler les jeux d'imitation différés. Moi, je fais une différence entre les deux quand je reçois des enfants. Est-ce qu'ils sont dans des jeux d'imitation concrets, comme peuvent l'être les tout-petits, d'imitation différée, jeu de faire semblant, jouer au papa, à la maman, jouer au docteur, jouer à la dinette, jouer observer, comme on a pu voir dans le film. Et avec le langage, les scénarios s'enrichissent, l'imagination se développe, les jeux de construction apparaissent, les premiers dessins également. Donc c'est vraiment une évolution qui se fait pas à pas. Un bon jouet, parce que c'est vrai qu'on a peu parlé des jouets, peu parlé des jouets dans le film. Un bon jouet devient ce qu'on appelle un jeu, pour moi, polyvalent, c'est-à-dire qu'il va permettre la création de plusieurs scénarios possibles. Un simple bâton peut devenir un micro pour chanter, une épée pour combattre, une baguette magique, une rame sur le bateau. Alors je dis parfois attention aux jeux aux piles. Des jeux à piles qui proposent parfois qu'une seule possibilité d'action et qui sont peu propices à la créativité. D'ailleurs, les enfants appuient sur les boutons, font fonctionner, puis au bout d'un moment, de toute façon, ils vont s'en détourner. Je n'ai pas parlé des jeux sur écran et image. Je parle plutôt des jeux où on met des piles et puis il y a parfois 2-3 actions possibles, mais bon, voilà. Possible d'avoir les deux jeux, mais ce sont souvent des jeux qui ne proposent pas énormément de créativité. Alors, peu à peu, les enfants créent de plus en plus leur monde. Ils ont bien expliqué que vers 4-5 ans, les enfants étaient capables de jouer de plus en plus tout seuls, du moins qu'ils arrivaient à créer des choses. Mais c'est vrai que c'est aussi à cet âge-là, on va dire, les enfants vont créer leur univers. Ils n'aiment pas toujours que les adultes les regardent. Ils sont même parfois un peu gênés du regard des adultes. On a tous vu des enfants jouer et puis dire, ils sont tellement pris dans leur jeu imaginaire qu'ils ne vont pas forcément avoir envie que les adultes soient présents. Moi, je dirais que le jeu en famille, je ne parle pas à l'école, ça devient un peu leur affaire. Pour les adultes, il n'y a donc pas toujours obligation de jouer avec leur enfant, mais le fait, je dirais, d'avoir une attention flottante et bienveillante, une présence discrète, suffira parfois amplement. C'est-à-dire, on n'est pas toujours obligé d'être dans une interaction de jeu avec ses enfants. Je pense qu'on l'a tous vécu en tant que parents. C'est quelque chose qui s'organise dans le temps, dans différents moments de la journée. Parfois, les enfants auront juste besoin d'un regard sur ce qu'ils sont en train de faire.
regarde ce que j'ai fait, j'ai joué au papa, à la maman, voilà, etc., etc. Toutefois, si vous êtes invité à participer au jeu, notamment de faire semblant, je pense que là, c'est l'occasion rêvée de se mettre à leur hauteur. Hein. C'est vrai qu'en tant qu'adulte, on a souvent, je dirais, une science, une connaissance de tout. Là, c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de dégringoler, de se mettre vraiment à leur hauteur, hein, d'être vraiment dans cette interaction-là. À savoir également que les enfants ne sont pas dupes. Hein. Si vous venez jouer à contre-cœur, ils le verront tout de suite. Donc, il faut mieux s'abstenir. Hein. Si on n'a pas envie de jouer, on dit aux enfants, on n'a pas envie de jouer. Hein, si on sent que c'est le moment. Et puis, certains parents qui ont eu peu l'occasion dans leur enfance de vivre de manière positive le jeu auront d'autant plus de difficultés à s'y investir en tant qu'adulte. C'est-à-dire, autant le jeu est spontané, peut être spontané chez les enfants, autant chez les adultes, il s'agit, c'est autre chose. Hein. Voilà. Chaque adulte doit donc trouver l'espace de jeu qui lui convient. Pour certains, ben, il va y avoir des jeux de faire semblant. Certains préféreront une balade à vélo dans la forêt. Et pourquoi pas partager une activité du quotidien qui peut alors devenir ludique. Par le jeu, la motivation des enfants augmente et ce qui pourrait être vécu comme une contrainte devient un jeu. C'est un petit peu ce que disait la psychologue, c'est que les enfants apprennent parfois beaucoup par le jeu. Mais attention, dans la vie, tout n'est pas jeu. Mais en famille, les enfants ne sont pas tout seuls. La fratrie est là, il faut composer avec l'autre, comme le montre le film, il faut accepter la proposition de l'autre, faire accepter ses choix, apprendre à vivre avec l'autre. Alors si ce n'est que dans une famille, dans une cour d'école, là on a trouvé des enfants, on a vu des enfants, c'est à peu près le même niveau d'âge, dans une famille, ce sont des enfants d'âge différent. Donc forcément, qui joue avec qui, comment est-ce que, surtout quand il y a des, bon, quand c'est enfant unique, bon, voilà, il va peut-être rechercher il va solliciter la présence de ses parents. Quand il s'agit d'une famille de deux, une famille de trois, une famille de quatre, une famille de cinq enfants, là il y a énormément de positionnements possibles pour les enfants. Qu'avant 3 ans, les enfants jouent plutôt les uns à côté des autres. Là, on a vu des enfants qui jouaient à l'école, mais à 3 ans, les enfants jouent plutôt les uns à côté des autres et prêter un objet est souvent difficile. Et il faut savoir que cela est encore normal à cet âge. On a souvent envie que l'enfant prête ton jeu. Alors, l'objet fait encore partie d'eux-mêmes. Ils n'ont pas encore tout à fait la notion d'eux-mêmes ni de l'autre, donc parfois c'est vécu comme quelque chose de très violent. À partir de 2 ans, c'est quelque chose que l'on peut apprendre aux enfants. Hein, mais il faut savoir que c'est un caprice, il ne veut pas, non, c'est pas toujours aussi évident que ça. À 3 ans, les enfants commencent à jouer ensemble. À 5 ans, ils vont pouvoir avoir des projets communs. Mais cet apprentissage de jeu partagé ne se fait pas sans frustration, cris et disputes. Hein, on connaît ça dans les familles. Là aussi, le rôle des parents est d'apaiser, d'expliquer de nombreuses fois les règles, car nos enfants vont y revenir très souvent. Et c'est peut-être aussi l'occasion d'initier vos enfants au jeu dit de règles. Et les enfants apprendront aussi que vous êtes soumis aux mêmes règles. Hein. Je pense que les jeux de société, les jeux de règles, c'est à la fois pour eux en famille, mais c'est aussi pour vous. Hein. Bien leur dire que vous êtes soumis aux mêmes règles qu'eux. C'est une façon pour eux d'intégrer la règle. En primaire, on va dire, au primaire, les enfants deviennent plus autonomes et beaucoup sont déjà prêts, bon, on va dire, à jouer dans leur chambre, à recréer leur univers. Et tous les types de jeux peuvent être présents. Les jeux imaginaires, les jeux d'imitation, le plaisir de ressentir son corps, les jeux de règles, les jeux de construction, le dessin, le plaisir de chanter. Mais attention, tous les enfants ne jouent pas au même jeu. Moi, je vois au cabinet des enfants qui jouent peu à des jeux imaginaires, par exemple. Ou je vois des enfants qui ont peu investi leur corps. On va dire les jeux de vélo à l'extérieur. Pas seulement ça, mais voilà, chacun va trouver ça. Il y a une marque particulière pour chaque enfant. Chaque enfant va aller vers un type de jeu qu'il va construire peu à peu. Et ça, moi, je le vois constamment au cabinet. Tous les enfants ne jouent pas au même jeu. Il faut dire que le jeu, c'est vraiment pour moi un outil de diagnostic, un outil clinique de travail. Mais au final, qu'apportent les jeux ?
Alors, les jeux de faire semblant préparent par la manipulation de concepts abstraits l'utilisation d'autres symboles plus tard, et notamment symboles associés au langage écrit, lettres et chiffres. Ainsi, les enfants qui seront moins créatifs dans l'utilisation des objets auront parfois plus de difficultés, notamment dans le rapport à l'écrit. Hein, autant dire que le jeu prépare au maniement de concepts abstraits. Les jeux à nouveau de faire semblant favorisent la mise en place du langage et notamment du récit qui est en général prêt en grande section maternelle parce que l'apprentissage s'apprend comme un récit. On raconte quelque chose quand on apprend un apprentissage. Et ça, c'est une notion de récit, quelque chose de très important. Le jeu est aussi pour vos parents un moment de transmission à la fois de savoir-être. Je pense que si on a un certain tempérament, dans le jeu, on fait passer ça. Il ne faut pas croire qu'on joue un jeu, mais l'enfant sait qui on est au moment où on joue. De savoir-faire, s'il est question de technique, mais aussi de récit d'expérience. Ça, faut savoir que ça peut être le moment de transmettre récit-expérience, mais il est avant tout un moment d'échange et de partage. Pas toujours aussi évident que ça, mais ça peut être ça. Voilà, donc ça c'était quelques notions que je voulais vous apporter sur les jeux. Important parce que lié au jeu, mais avoir un petit peu une vision un peu plus large par rapport au jeu. Alors, je voulais apporter deux points. Alors, c'est deux points issus de mon expérience de psychomotricienne, l'un sur nos propres représentations et projections et sur leur influence sur les jeux des enfants. Et puis, le second point concerne la place des images, quel que soit le support dans la vie des enfants, et cela n'est pas simple au quotidien. Alors, je voulais commencer par vous donner par rapport aux projections. Je voulais vous donner alors une expérience que j'ai vécue au cabinet. Je reçois une famille, son père, sa mère et puis une petite fille de 13 mois. Puis cette petite fille prend une boîte avec des cubes et puis elle commence à le vider, remplir. Ça correspond au jeu de contenu, de vider. Voilà. C'est des jeux, ça fait vraiment partie des premiers jeux. Et le papa admiratif de sa fille me dit « Oh, qu'elle range bien !» Plus tard, elle saura bien ranger ses affaires et sa maison. Voilà. Alors je dis comme ça, s'il s'était s'agit d'un garçon, je lui dis, je ne suis pas sûre que cela aurait été dit. Alors je dis, il s'agit à la fois là d'une non-connaissance du jeu de l'enfant, mais on n'est pas tous des spécialistes, on a le droit de chacun son métier, mais aussi de projection personnelle, et je dirais, pourquoi pas, on en a tous, mais je dis, il ne faut pas en être dupe, c'est la seule chose, on a le droit de projeter par rapport à ce qu'on fait. Et c'est vrai que ce papa m'avait regardé, il était un petit peu interloqué, et puis il m'a dit « Ah oui, ah oui !» Voilà, ça c'était vraiment quelque chose qui m'avait fait... Bon, je crois qu'on avait bien ri ensemble. Après, les jeux d'imitation sont riches d'enseignements aussi sur les modèles que nous transmettons à nos enfants. Notre société évolue, et la constitution, la notion d'identité d'être un garçon et une fille évolue. Nous sommes loin des caricatures du passé, sur l'attribution des rôles masculins et féminins. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il est ainsi important de proposer, d'inciter vos enfants à vivre des situations, des jeux très différents pour leur permettre de trouver leur place et leur identité plus tard. C'est ce qu'ils expliquaient. Mais je crois que nous, en tant que parents, on peut initier là certains jeux. Je dis, les filles savent très bien construire des cabanes et jouer aux jeux d'aventure et d'action. Moi, quand j'étais jeune, et ça c'est un terme, j'en discutais avec des parents, moi, on disait que j'étais une fille manquée, un garçon manqué plutôt, parce que j'adorais les cabanes, j'adorais être dehors, et c'est vraiment un terme qui est tombé en désuétude. Plus personne n'emploie ce terme-là, comme quoi nos mentalités ont évolué. Peut-être des grands-parents vont en parler, si on voit une fille un peu très active, mais c'est vraiment quelque chose, c'est le signe que nos représentations et notre place a évolué. Je dis, les initier au bricolage est tout à fait possible. Les garçons ne font pas tous que courir dans tous les sens et jouer qu'à la bagarre. Ils peuvent aussi faire preuve de sensibilité, de créativité. Nombreux sont les garçons qui cuisinent actuellement et les jeux de dinette aussi sont partagés par tous.
Une étude a été faite qui montre que les jeux, quand même, auraient une influence sur la place que nous nous autorisons à prendre dans leur société. Hein, parfois, les garçons, malgré tout, hein, parce que moi, au cabinet, je dirais que filles et garçons ne grandissent pas tout à fait de la même manière. Au jour d'aujourd'hui, dans ce que je peux constater, moi, je ne dis pas le monde de demain, c'est juste un constat de ce que je peux voir. Je dirais qu'il y a des intemporels autour des jeux de filles, il y a encore aussi des jeux intemporels autour des jeux de garçons. C'est vrai qu'au cabinet, j'ai souvent comme ça des poupées. Si c'est une fille, elle va aller chercher assez vite des jeux de filles parce qu'il y a peut-être quelque chose de son identité d'être une future mère. Donc il y a quelque chose qui se tricote autour de là. Les garçons, s'ils vont jouer, moins, peut-être ça m'est arrivé de voir, mais ils vont plus facilement aller vers des Playmobil pour rejouer des scènes qu'ils ont vues dans leur famille, etc. Il y a forcément quelque chose de différent. Et puis cette notion de bagarre chez les garçons, je vois bien, moi au cabinet, que je vois parfois des garçons très très sensibles, et c'est vrai que s'ils n'ont pas développé suffisamment, moi ce que j'appelle en la phase d'agressivité positive, c'est-à-dire je suis capable de dire « je », hein, qu'ils ont du mal à s'imposer, ben, voilà, les jeux de bagarre, parfois ça va renforcer chez les garçons cette capacité-là. Hein. Et en tout cas, ils seront parfois en défaut pendant la récréation, hein, parce qu'il y a des garçons qui sont très toniques. Hein. Alors, comment se construit une identité? Cela pourrait être un sujet, le sujet d'une autre soirée, tant le thème est complexe et sensible. Donc on ne va pas aller plus loin, mais c'est vrai qu'à travers le jeu, il y a pas mal de choses qui apparaissent. Alors, dernier point, je voudrais aborder la place de l'image et des jeux sur écran dans les familles. La révolution numérique, je pense que c'est une véritable révolution, hein, comme il y a eu la révolution de l'écriture. Je pense qu'on est vraiment dans une révolution comparable. Hein. Nous amène déjà, nous adultes, à des transformations de notre quotidien, travail, recherche d'informations, nouveaux outils, nouvelles façons de communiquer et jeux en ligne pour de nombreux adultes. Hein. C'est là, les adultes, les jeunes adultes, ils jouent beaucoup. Moi, ce n'était pas ma génération, j'y joue moins. Mais... Ces jeux constituent un panel de jeux supplémentaires auxquels nos enfants sont confrontés. Ça brille, cela bouge, cela ne s'arrête jamais. Et difficile d'appuyer sur le bouton off. En tout cas, c'est ce que tous les parents me disent. C'est vraiment très attractif. Les jeux proposent des moments d'évasion incroyables dont nos enfants et adolescents sont friands. Alors là, les adolescents, ils y vont souvent droit. Ils y vont énormément. Certains jeux vidéo reboostent toutefois la motivation pour certains apprentissages. Ces jeux, de par leur fort pouvoir d'attractivité, demandent bien sûr à être encadrés. Et là, les difficultés peuvent commencer. À vous d'être vigilant, car un enfant a besoin de se construire, pour se construire, de pouvoir s'exprimer sur des registres très différents. Moi, je dis que pour certains enfants, ces jeux de tablette, c'est un peu comme le Nutella. Hein. C'est vraiment, si vous leur laissez, ils y vont, pas tous, mais c'est vraiment que ça a un pouvoir attractif très très fort. Sachez quand même que la plupart des enfants savent que c'est un jeu de faire semblant et qu'ils se trouvent dans un monde virtuel. D'ailleurs, le langage, la pensée, l'imagination sont de l'ordre de virtuel. Voilà pourquoi les enfants vont vers ce type de jeu, parce qu'on est sur du virtuel et que le mot en lui-même est déjà virtuel parce qu'il représente. Le mot est déjà une représentation, c'est déjà une abstraction. Les jeux sur écran font le plaisir des enfants et correspondent à cette capacité de l'homme de penser, d'inventer et de recréer. Hein, qui n'a pas joué, bon, je ne sais pas, parmi les jeunes, Minecraft, quand je leur dis pourquoi vous aimez, tu aimes Minecraft, on invente, on crée des villes, on crée des univers. Mais à vous, en tant que parents, d'être vigilants, moi je dirais, à ce bon rapport entre le virtuel vécu sur l'écran et la construction du rapport à la réalité qui se construit en partie dans le monde réel et surtout en interaction avec l'autre. Je crois qu'il y a cette dimension, on ne peut pas y échapper. Alors il ne faut toutefois pas les diaboliser, il faut qu'ils trouvent leur juste place et que ces jeux demandent initiative et vigilance, tout comme l'alimentation, il est question d'équilibre. Alors il faut savoir que des psychiatres vont sortir parce qu'ils sentent qu'il y a quand même Je vois de parents qui sont, mais quand, comment, combien de temps, à quel moment, c'est vraiment les questions qui reviennent. Et là, il y a des psychiatres qui vont sortir, des préconisations par rapport à l'utilisation de l'image. Par exemple, ils préconisent très peu d'images avant 3 ans.
pas de télévision, hein, quand je dis l'image, pas de télévision, très peu d'images. On peut, attention, hein, faut pas non plus être plus royaliste que le roi, mais voilà, à cet âge-là, si on est à table et que la télévision est allumée, d'abord ça amène une décentration de l'attention des parents, et puis c'est vrai que, comme je disais, être présent à ce que l'on fait, c'est finalement c'est assez simple, c'est une activité à la fois, je mange, je discute, on joue, on sort, on va regarder la télévision, c'est-à-dire que ne pas mélanger tous les moments pour les enfants en même temps. Hein. Sachez, alors, comme je disais, c'est une question d'équilibre, alors sachez tout de même que le patron d'Apple reconnaissait imposer une limitation drastique de l'utilisation des jeux sur écran pour ses enfants, et que bien d'autres géants du numérique ont même fait le choix d'écoles déconnectées pour leurs enfants. Est-ce raisonnable? Je ne sais pas, là, j'ai pas de question. Alors je voulais quand même vous donner, vous dire un petit peu, parce que j'ai lu pour préparer la soirée, j'ai lu différentes choses sur les tablettes, sur l'arrivée du numérique. Alors je ne dis pas ce que je vais dire, c'est la vérité, mais c'est une constatation d'études qui ont été faites. Dans certains pays, notamment au primaire et dès la maternelle, on propose aux enfants d'utiliser les tablettes, notamment en Chine. Ils ont été, mais alors, voilà, les enfants apprenaient la reconnaissance des signes chinois sur tablette, et le constat a été que les enfants ont pris 2 années de retard au niveau de la lecture. C'est-à-dire que pour apprendre, on apprend avec soi, on apprend avec ses émotions, on apprend dans la confrontation à soi-même. Hein, c'est-à-dire que penser que l'on est juste penser juste une pensée virtuelle pour rentrer dans les apprentissages, c'est pas possible. On apprend parce qu'on se confronte à son propre désir, on se confronte à la règle, on se confronte à soi-même. Ça, c'est très très important. Et puis, c'est vrai que dans l'écriture, moi qui suis psychométricienne, je vois bien sûr des enfants qui ont des difficultés au niveau de l'écriture, mais l'écriture, c'est faire avec soi, avec son corps, avec la tenue de crayon, avec ses émotions. Donc ça demande, l'écriture c'est un acte très complexe et ce n'est pas juste une mentalisation, hein, ça va bien au-delà. Alors, pour conclure, je disais un peu comme le psychanalyste du film, le jeu est donc une affaire sérieuse dans laquelle les parents ont leur place, le cadre, le lieu, l'espace, hein, ça c'est vraiment l'affaire des parents, le choix des jeux mis à disposition, mais aussi la qualité d'attention. Le jeu devant avant tout être entre parents et enfants une possibilité d'échange et de connaissance et de reconnaissance mutuelle. Voilà. Merci.